Que c'est maintenant ou jamais. Notre avenir est dans nos mains. Nous avons trop souffert. L'ancien Guinée a trop souffert. Nos dévanciers sont morts misérablement. Les retraités anciens vivent misérablement. Ils n'ont aucun héritage. Ceux qui sont à l'âge presque adulte vivent misérablement. Vous les jeunes qui venez d'être engagés, si vous ne prenez pas garde, si vous ne vous lancez pas dans le combat, vous vivez aussi misérablement. Chers camarades, soyons conscients tous de ce qui est là. Nous ne laissons jamais, jamais, ou plus grand jamais, manipuler par des politiciens qui aujourd'hui ont réussi à diviser. Ils ont divisé le peuple à tous les niveaux. Ils ont divisé les institutions à tous les niveaux. Ils ont divisé même les familles aujourd'hui. Nous, anciens, refusons d'être divisés. Nous sommes une famille, une seule famille. Nous partageons la même souffrance. Nous avons un dénominateur commun. La crainte. La crainte. Qui n'est pas monnayable. La crainte. Qu'on ne peut pas revendre. Pour avoir la dépense. Nous ne vivons que de notre salaire. C'est pourquoi on se bat pour améliorer ce salaire-là. C'est pourquoi on se bat pour que le salaire indiciaire soit consistant. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de primes. Nous avons besoin de le salaire indiciaire. C'est de ce salaire indiciaire-là que vivent aujourd'hui les anciens qui sont en retraite. C'est ce salaire indiciaire-là qui nous accompagne à la retraite. Si aujourd'hui en Guinée, les travailleurs ne veulent pas aller à la retraite, si aujourd'hui en Guinée, la plupart, pour ne pas les 50% de ceux qui sont dans la fonction publique, ont changé leur date de naissance. Pour mettre beaucoup de temps dans leur corporation. Parce que dès que tu vas à la retraite, parce que tu c'est pour mourir. Tu n'as plus une longue vie. Nous, anciens, soyons unis. Refusons aujourd'hui d'aller en classe récupérer les salaires qu'ils ont gelés. C'est pas gelé. Ils ont déposé au niveau des DPE et DCE. Le ministre vient de donner instruction à tous les DPE de vous faire appel. Celui qui va en classe y compris les coûts, on l'autorise maintenant à récupérer son salaire. Et que si jamais tu abandonnes, tu vas te radier. Alors, chers camarades,
chers anciens, nous ne sommes pas des poulets. Parce qu'on nous traite comme des poulets. On met les graines de riz, au fur et à mesure, tu viens, jusqu'à mettre une main sur lui. Parce qu'ils disent qu'ils, nous sommes pauvres, on ne peut pas résister. Le même salaire qu'on nous donne, on nous le bloque. Dans une méchanceté qui ne dit pas son nom. Aucun respect pour notre corporation. Aucun respect pour la personnalité, pour la dignité. Aucun respect. Donc, chers camarades, acceptons de souffrir, abandonnons les salaires là. De quoi on va dire à lui, parce qu'il va à la retraite. C'est pour dire, non, parce qu'il va à la retraite. Comprenez que, bien sûr que moi je vais à la retraite. Mais comprenez que si nous ne nous levons pas maintenant, et que si nous ne poursuivons pas cette grève-là, mais c'est fini pour nous. Parce que le gouvernement-là ne va plus faire face à nos revendications. On ne va plus déclencher une autre grève. Et même si le gouvernement-là continue, on ne pourra plus déclencher une autre grève. Et si un autre gouvernement vient, on ne déclenche pas une grève, parce qu'ils diront que vous n'avez pas pu avec nous, c'est pas avec nous que vous allez. Donc, chers camarades, laissons ce salaire-là. Qu'est-ce qu'il veut que le lundi, que les anciens reprennent? C'est ce qu'ils ont monté. Le procès verbal qu'ils ont signé, ils ont dit qu'ils ne le transformeraient pas en protocole, sauf si ces syndicalistes signataires-là parviennent à vous faire réintégrer les salles de classe. Lundi, qui vient là, et dit aux deux autres que le lundi là, les cours vont reprendre. Partout dans les radios qui sont en train de déclarer, le ministre a donné des instructions à tous les niveaux de faire tout pour vous faire venir dans les classes. Envoyez les salaires dans les écoles. Envoyez les salaires dans les écoles et vous faire appel. Pour faire signer un engagement, tu enseignes pendant une semaine, après, on donne le salaire. Ils disent que nous sommes des pauvres. On ne peut pas résister. C'est pour cela qu'ils ont confisqué nos salaires. Mais je vous le dis, aucune loi guinéenne, la constitution en tout cas qui est en vigueur là, et la loi R028, dans aucune de ces dispositions, il est écrit qu'il faut gêner le salaire du service de la fonction publique.
Nous avons droit à notre salaire en grève. C'est la loi qui nous le confère. Personne d'autre ne peut bloquer ce salaire-là. Autant nous sommes à la maison, autant nous serons payés. C'est une réserve pour nous. Donc, s'il vous plaît, chers camarades, nous avons à choisir entre leur syndicat et notre syndicat. Ils ont signé. L'irresponsabilité des ministres qui ont convoqué, n'est-ce pas, la présente réunion, à savoir le ministre de la fonction, le ministre du Travail et le ministre Sangaré. Il a retardé le processus de recensement.
Il a tripatouillé les résultats. Il veut être ministre. Il a voulu décrédibiliser le SLEC en confondant les anciens en activité aux anciens fictifs. Il dresse un fichier dans lequel il considère comme en activité les anciens fictifs et comme fictifs les anciens en activité. Pour mettre le SLEC en mal avec les anciens. La SUE. Afin de donner la force aux autres syndicats. Amener ces anciens fictifs là, considérés comme fictifs là, à abandonner le SLEC et à aller adhérer aux autres syndicats. C'était son objectif. Et après avoir rejeté ces résultats-là, il a composé des délégations, il a sorti de l'argent, il a remis à nos dissidents-là, les étudiants là qui nous ont toujours trahis là, il leur a donné des attributions pour sillonner le pays afin d'accepter le résultat que nous avons rejeté. Et malgré tout, malgré ce résultat, il était présent, il a mis la pression sur les ministres pour faire venir ces éléments-là dans la salle. Vous avez vu, Tonkara, c'est eux qui ont signé, c'est eux qui ont circulé dans tous les pays pour faire admettre le résultat-là par les anciens. Donc ce sont ces éléments qui ont signé le protocole d'accord aujourd'hui qu'on veut nous imposer. Allons-nous accepter cela? Non. Les éléments que nous avons exclus, les éléments qui nous ont trahis, signer un protocole que nous allons accepter. Alors chers camarades, même si on devait lever la grève, mais avec la signature de ces gens-là, les syndicats fantômes qui ne disent pas, nous allons continuer la grève tant que le gouvernement ne nous fait pas appel à nous, SLEC. On négocie avec une proposition sur les 8 millions et l'engagement, n'est-ce pas, des contractuels, tant que cela n'est pas fait. Nous allons continuer la guerre, quelles que soient les conséquences. Écoutez-moi. Je n'ai jamais vu un ministre menteur comme Moïse Sangaré. Il dit que les coûts sont à plus de 70%. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire composer les enfants par des bandits qu'ils ont ramassés dans les quartiers pour faire venir composer les enfants et exhiber les photos là et dire que les élèves sont en classe, les professeurs sont en classe et que les cours vont bon train. Quel mensonge! Et les enfants sont là, ils voient la réalité, les parents sont là, ils voient la réalité. Et enfin maintenant ils vont dire ah, c'est le SLEC. Alors que dans les conditions normales, une grève qui fait un jour, deux jours, trois jours, une semaine, il faut faire appel à l'institution. C'est la loi qui nous confère. N'ayez pas peur. Personne ne sera gagné. Hier, l'USDG a tenu sa réunion. Le secrétaire général Ablaye Sow n'est pas là, il est malade, il est évacué. Mais hier, l'USDG a tenu sa réunion. Le lundi, toutes les centrales, les autres centrales, excepté la CNTG, syndicat de l'État. Alors, merci. Toutes ces centrales-là se retrouveront au sein de l'USDG, au bas bleu, pour tenir
Un point de presse. Merci. Le mercredi, l'USDG convoque ici, dans cette même salle, toutes les structures des fédérations qui relèvent d'elle. La FEDABAC. Toutes les sociétés qui sont affiliées à l'USDG, le mercredi, sont programmées ici pour une réunion à partir de midi. Et voilà les décisions qui ont été prises hier à la réunion de l'USDG. Nous allons prouver que c'est l'USDG qui est sur le terrain. Nous allons faire une démonstration de force pour savoir entre les syndicats signataires et nous, syndicats, on va mesurer le rapport de force. Camarade, salut! Salut! Camarade, salut!